Anastasia, visée par une plainte de plusieurs millions de dollars. La chanteuse a rendez-vous avec la justice. Si, ces dernières années, la chanteuse Anastasia n'a pas réussi à remonter la pente dans sa carrière, entre les années 1990 et 2000, elle a suffisamment cartonné dans les bacs pour la mettre à l'abri du besoin. Oui, mais voilà, il semblerait qu'elle ait oublié de faire bénéficier de son succès passé sa manager Lisa Broad. Comme le rapporte TMZ, Anastasia avait officiellement embauché Lisa Broad comme manager en 1999, après avoir atteint la finale de l'émission The Cut. Un an auparavant, la chanteuse avait échoué à signer un contrat avec une maison de disques, et était en difficulté mais Lisa payait ses factures et l'aidait financièrement. Pendant 5 ans, les deux femmes ont collaboré ensemble, la chanteuse cartonnant avec ses tubes Yannou Talove, les Footsie d'Alon ou encore Pemaïdu, après un contrat passé avec Epic Records. 3 albums plus tard, Anastasia est obligée de mettre sa carrière en pause à cause d'un cancer du sein et les choses se compliquent. Dans sa plainte, Lisa Broad affirme que la chanteuse ne l'a jamais rétribuée suite à la parution de plusieurs compilations, dont Peace of Abraham, sorties pendant la convalescence d'Anastasia. Elle réclame donc à la star 3 millions de dollars en dommages et intérêts. Le dernier disque de la chanteuse, intitulé Evolution, est sorti l'an dernier.